Est-il privilégier le poisson d'élevage ou au contraire revenir au poisson sauvage dans nos assiettes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité Jean-François Barroyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en aquaculture durable au Cirad de Montpellier et vous étudiez plus particulièrement la façon de recréer un petit écosystème au sein des fermes aquacoles. On verra ensemble à quel point ça peut être important. Jean-François Barroyer, consomme-t-on beaucoup de poissons aujourd'hui dans le monde Donc en fait, si on compare euh, les productions animales, euh, elles sont euh, très très majoritaires par rapport à l'aquaculture. Euh, en gros, l'aquaculture, on va dire, pèse seulement 2% des produits euh, agricoles, agricoles pardon, consommés euh, contre environ 13% pour les productions animales et 85% pour euh, les céréales et les légumes. Autre point, me semble-t-il, important à considérer, au-delà de la quantité, la qualité de ces productions. On peut la décliner, cette qualité, euh, d'une part en matière de conversion alimentaire, c'est-à-dire combien euh, d'aliments il faut donner à ces productions pour obtenir un kilo de ces différents animaux. Euh, et si on prend ce critère, euh, le, la production animale la moins intéressante, c'est le bœuf, suivi du porc, et puis euh, la plus intéressante étant euh, le poisson. Donc il faut donner beaucoup d'aliments au bœuf pour avoir un seul kilo de bœuf. Et beaucoup moins d'aliments aux poissons pour en avoir un kilo. Tout à fait. Et on pourrait raisonner de la même manière en matière de surface d'élevage, en matière de quantité d'eau nécessaire, etc. Donc globalement, d'un point de vue, on va dire, impact sur l'environnement, il est beaucoup plus intéressant de produire du poisson ou du poulet que du porc et du bœuf. Ensuite, il faut se poser la question de l'impact sur l'environnement de ces productions. En particulier, il y a deux composés. Qui sont émis par ces productions, c'est l'azote et le phosphore. Et là aussi, euh, finalement, les productions animales qui euh, vont rejeter le plus de phosphore et d'azote, ça va être le bœuf et ça va être le porc. Euh, tout en bas, on a le poulet, le poisson, et encore plus bas, on va avoir les, les bivalves, les mollusques, etc. Si on s'intéresse ensuite à notre sujet d'aujourd'hui, la pêche versus l'aquaculture, et qu'on analyse un petit peu ce que vous me posiez comme question, la production de poissons. Eh bien la pêche, on s'aperçoit que depuis les années 85 environ, on arrive à un plateau euh, dans euh, ce que la pêche peut produire, et cette pêche, elle va à la fois produire du poisson de consommation, c'est-à-dire qui sera directement mangé par l'homme, mais elle va aussi produire... Des farines de poisson en utilisant des farines et des huiles en utilisant euh, les poissons, on va dire, qui sont peu appréciés par le consommateur. Donc il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises pour protéger les stocks en danger, ceux qu'il qu était encore possible de, de protéger. Euh, les techniques de pêche, parallèlement, se sont améliorées on a été plus efficace. Mais on a demandé aux pêcheurs euh, d'avoir une pêche plus raisonnée et d'avoir ce qu'on appelle une pêche écosystémique, c'est-à-dire prenant en compte la ressource. Dans la mesure où on verra que le poisson d'élevage est nourri en grande partie avec de la farine de poisson, donc des poissons pêchés, eh bien on s'aperçoit que euh, les niveaux maximums de la pêche étant atteints, il est difficilement envisageable de continuer une production aquacole sans trouver des alternatives à l'utilisation de ces farines et ces huiles de poisson. Le poisson de la pêche, on sait qu'il est plus cher que le poisson de l'aquaculture, bien souvent. Donc c'est un critère un peu négatif. Et de fait, quand on regarde ce qui se passe en matière de consommation dans le monde, on a à peu près 50% du poisson consommé dans le monde qui provient de l'aquaculture. Euh, si on regarde ce qui se passe à l'échelle française, on a seulement 12% du poisson consommé qui provient de l'aquaculture. Déficit d'image donc, donc on voit bien qu'effectivement, il y a un problème d'image. Donc en fait, on va avoir intérêt comme consommateur à avoir une proportion d'oméga 3 élevée. Or, ces deux oméga 3 importants euh, ne peuvent pas être synthétisés par euh, d'autres organismes que les microalgues. Donc ça veut dire que pour qu'un consommateur ait des oméga 3, il doit consommer un aliment qui a lui-même, à un moment donné, consommé des microalgues. Donc en fait, on arrive à la notion de chaîne trophique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on a une microalgue qui produit ce fameux oméga 3 intéressant, on va avoir des petits organismes qui vont consommer ces micro puis des poissons qui vont consommer ces petits organismes, puis des poissons qui vont manger les poissons, c'est les poissons carnivores, et d'autres poissons carnivores éventuellement qui vont manger eux-mêmes les poissons carnivores. Et puis tout à la fin, il y a l'homme. Donc mieux vaut manger un poisson carnivore qu'un poisson herbivore si je veux avoir beaucoup d'oméga 3. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une différence entre le poisson sauvage en termes de quantité d'oméga 3 entre le poisson sauvage, un saumon sauvage et un saumon d'élevage par exemple Alors c'est une bonne question. De fait, ce qui se passe c'est qu'on va nourrir évidemment un poisson euh, d'aquaculture et on va le nourrir avec quoi Avec de la farine et de l'huile de poisson. L'huile de poisson est un concentré d'oméga 3. Donc en fait, quand vous nourrissez un poisson d'aquaculture, vous allez sauter toutes les étapes. De la chaîne alimentaire et finalement vous allez directement donner des grosses quantités d'oméga 3, ce qui fait que les poissons gras principalement vont être beaucoup plus riches s'ils sont produits en aquaculture que s'ils sont pêchés. Ensuite, les questions que se pose le consommateur sont liées à donc, je vous l'ai dit, euh, les aspects. Euh, qualité nutritionnelle, mais aussi qualité sanitaire. Alors qualité sanitaire, ça passe d'abord par la fraîcheur du poisson, ça passe par euh, la qualité euh, euh, de ce qu'on a euh, dans l'assiette, et donc la chaîne du froid, il faut qu'elle soit respectée. En aquaculture, on a euh, depuis quelques années des euh, normes qui ont été mises en place par euh, les pisciculteurs, en particulier français, euh, qui s'appelle aquaculture de nos régions et qui garantit que le poisson entre sa pêche dans sa structure de production et l'étal il y a maximum 72 heures. Donc on voit que là aussi il y a un avantage en termes de fraîcheur pour le poisson d'aquaculture, simplement parce que on peut sortir uniquement ce dont la grande surface ou le petit poissonnier a besoin et on lui envoie au moment où il en a besoin. Donc, on a quelque chose qui. Euh, une garantie de fraîcheur. Une garantie de fraîcheur. Ce qui veut dire que maintenant, commence à se mettre en place un certain nombre de labels, euh, en particulier le label rouge, pour euh, les poissons d'aquaculture. Là aussi, pour le consommateur, ça doit euh, le rassurer énormément sur la qualité de ce qu'il mange. Mais néanmoins, euh, vous dites qu'il faut manger du poisson pour augmenter son ratio d'oméga-3, très bien, mais en augmentant sa consommation de poisson, on sait qu'aujourd'hui, le poisson, il est dans une mer polluée. Euh, Est-ce que c'est le cas aussi Est-ce qu'il y a des, des pollutions dans les fermes aquacoles C'est-à-dire qu'est-ce qu'en augmentant notre consommation de poissons, et je pense notamment aux femmes enceintes, on n'augmente pas le, la quantité de, de polluants qu'on ingère Alors, c'est effectivement une, une question centrale. Alors, de fait, on va se retrouver dans une situation où on va être obligé de euh, peser le pour et de peser le contre. C'est-à-dire être dans une balance entre les facteurs bénéfiques. Et les facteurs de risque Alors, je vous rassure, pour l'instant, Dieu merci, les facteurs de risque sont extrêmement faibles, euh, en particulier parce que les niveaux de pollution sont, à l'échelle globale des océans, encore euh, raisonnables, même s'ils sont beaucoup trop élevés et qu'il faut euh, tout faire pour que non seulement ça cesse, mais essayer de revenir vers des niveaux encore plus bas. Mais actuellement, entre les niveaux qui euh, prévalent dans les océans, et puis les contrôles sanitaires qui sont exercés mmh. euh, par les structures euh, ad hoc, eh bien, le risque pour la santé humaine, il est quasiment inexistant, sauf à, à vouloir manger énormément de poissons. Y compris en ce qui concerne le poisson d'élevage. Alors, si on va un petit peu plus loin par rapport à votre question... Mmh. Je vais vous prendre un premier exemple qui va être euh, ce qui se passe dans le milieu naturel. Donc là on n'est plus sur le poisson de la pêche et après on reviendra sur le poisson d'aquaculture. J'ai pris deux exemples. J'ai pris un exemple de pollution on va dire qu'on va qualifier de industrielle ou liée à l'agriculture. On a un certain nombre d'insecticides qui sont utilisés et qui vont par ruissellement passer euh, dans l'eau que ce soit d'abord l'eau douce et puis ensuite l'eau de mer. Je vous ai parlé tout à l'heure de chaînes trophiques, les petits qui mangent les gros et avec à chaque fois une concentration mmh. de ce que le petit a mangé. Et bien pour les polluants, c'est exactement la même chose. On va avoir des animaux par exemple les filtreurs qui vont accumuler en filtrant l'eau. Euh, les polluants, bah, c'est le cas par exemple des mollusques, des, des moules, des huîtres, etc. Puis ces moules vont être mangés par des crabes, les crabes par des poissons, etc., etc. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour les oméga 3, eh bien de la même manière le polluant va se concentrer. Mmh. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le poisson qui est tout en haut, qui est forcément un poisson carnivore, va être celui qui est le plus susceptible d'être pollué euh, par ces pollutions euh, industrielles. Donc on arrive à un paradoxe. Ou en fait, le poisson le plus intéressant à manger pour le consommateur. En termes d'oméga 3. En termes d'oméga 3, mmh. c'est le poisson carnivore. Mais le poisson carnivore, c'est aussi celui qui, entre guillemets, a le plus de chance, c'est pas une chance, mais euh, d'être éventuellement contaminés. Donc excusez-moi, j'en reviens à ma question du poisson d'élevage. Oui. Le poisson d'élevage qui n'est pas confronté, euh, enfin, j'imagine que l'eau euh, est, euh, est une eau qui arrive dénuée de pesticides agricoles, par exemple. Finalement, euh, j'ai plus raison de manger du poisson d'élevage euh, que du poisson sauvage. Là, j'ai mes oméga 3 et j'ai peut-être moins de polluants. Tout à fait. Alors, il est clair qu'une pisciculture pour s'installer va euh, forcément devoir choisir des endroits où la qualité d'eau est euh, propre à cette, euh, ce type d'activité, et puis va être contrôlée de manière de plus en plus euh, contrainte euh, par les services publics et les services vétérinaires, mmh. et euh, des, des services comme l'AFSA, etc. Ce qui veut dire qu'effectivement, en aucun cas, vous ne pouvez, je parle dans les pays du Nord, euh, concevoir une installation ou la pérennisation d'une production aquacole dans une zone contaminée. Un autre élément qui euh, peut inquiéter le, le consommateur, ce sont les aspects euh, santé, les aspects sanitaires. Donc un poisson, bah, il est comme tout animal ou comme toute plante, il est susceptible de contracter des, des maladies. Euh, par le passé, on a eu euh, une... Euh, une aquaculture qui avait tendance à euh, essayer de prévenir les maladies en essayant d'utiliser des doses importantes d'antibiotiques. Bon, ça a largement contribué à inquiéter le consommateur, et euh, ça l'a d'autant plus inquiété que sont apparus euh, des phénomènes d'antibiorésistance euh, à proximité notamment des aquacultures, des productions aquacoles. Et que finalement, euh, l'AFAO a décrété que le problème des antibiorésistances constituait un des risques les plus importants pour l'humanité, parce qu'on voit bien que dès l'instant où des bactéries vont développer cette résistance aux antibiotiques, et eh bien l'homme, quand il va être malade, euh, s'il est malade à cause de ces bactéries, comment on, on le soigne mmh. Donc effectivement, il faut impérativement limiter au maximum euh, l'antibiorésistance, les phénomènes d'antibiorésistance, et donc l'utilisation des antibiotiques. Alors ensuite, quelles autres solutions peut-on envisager pour moins taper dans les stocks de farine euh, On en a évoqué... Éviter que l'aquaculture vide les océans. En gros, en Exactement. Les habitudes alimentaires. Mmh. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le consommateur, qu'est-ce qu'il aime en France, en Europe dans les pays du Nord en général, consommer des carnivores. C'est le poisson noble par excellence. Carnivores, saumon, truite, quoi d'autre euh, Bar, turbo, euh, voilà. Ouais. Bon. Tous les poissons euh, qui ont un prix, hum. malheureusement. Hum. Euh, et tous les poissons qui ont un impact, puisque par exemple, pour produire un, un saumon, eh bien, il faut pêcher euh, l'équivalent de 2,5 kg à peu près de euh, poisson dans le milieu naturel. 1, 2, 5. Donc vous voyez que très rapidement, euh, on arrive à quelque chose qui n'est pas euh, durable. Donc fort heureusement, euh, il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été menées depuis un certain nombre d'années pour essayer de substituer euh, les farines et les huiles de poisson par euh, du végétal. Alors en fait, euh, c'est tout à fait faisable chez certaines espèces par exemple, la truite, on peut supprimer quasiment la totalité de la farine de poisson et la remplacer par des farines végétales. quelle perception par le consommateur? la truite végétarienne ça voilà, peut on ne transforme pas un carnivore en végétarien. alors, les, les expérimentations qui ont été faites montrent que l'impact euh, du remplacement de la farine euh, de poisson par euh, des sources végétales impact extrêmement peu euh, une espèce comme la truite par exemple. Par contre, euh, on va avoir une vitesse de croissance beaucoup plus faible. Mmh. Donc, ça veut dire que le temps qu'il va falloir pour produire un poisson de la même taille va être beaucoup plus important. Donc les coûts vont être beaucoup plus importants. Donc ça va se traduire forcément par une augmentation du prix de vente du poisson. La première solution qui a été envisagée, c'est de dire on donne plus euh, de farine et d'huile pendant la croissance du poisson et puis est-ce que si on donne des, de l'huile de poisson les, tout derni, le dernier mois ou les deux derniers mois d'élevage on va pouvoir remonter le niveau? la réponse est oui. ça marche très bien. Mmh. la seule chose, c'est que la quantité d'huile de poisson que vous allez devoir donner sur des sur poissons beaucoup fenêtre. plus gros ah oui. et sur une petite fenêtre va être beaucoup plus importante. Une autre solution, c'est de se dire, mais finalement, euh, ces oméga-3, ils viennent des microalgues, donc quest ce qu'on peut pas produire de la microalgue, ou des algues qui sont pas des microalgues, mais qui produisent des oméga-3 Et les algues, en France, en Europe, dans les pays euh, du Nord, d'une manière générale, on en consomme extrêmement peu, donc on en produit extrêmement peu, sinon pour l'industrie agroalimentaire, sinon pour euh, l'industrie pharmaceutique, etc. Mais en Asie L'algue, c'est un, un peu comme le riz ou comme la baguette chez nous, c'est quelque chose qui est consommé quasiment tous les jours. Donc il y a énormément d'algues qui sont travaillées, produites, consommées. Cette culture de la consommation de l'algue, et encore moins de la production, elle n'existe pas pour l'instant en Europe. Or en fait, on s'aperçoit qu'il y a une diversité phénoménale d'algues et que cela mériterait, et c'est ce qui est en train d'être fait, d'analyser plus profondément euh, la composition de ces algues, en particulier en oméga 3, pour regarder quelles sont les algues les plus intéressantes potentiellement pour nourrir du poisson. Les autres solutions qui peuvent être envisagées, alors je, je vous ai mis une diapositive pour montrer l'évolution. Grâce aux travaux de la recherche, de l'incorporation du matériel végétal de, depuis les années 90 aux années aujourd'hui. Ah oui, c'est considérable quand même. C'est considérable. On est passé de 10% de matériel végétal utilisé à 70%. Exactement. Donc c'est, vous voyez que bon, la, la, la recherche ne reste pas les bras croisés, les producteurs non plus. Et il y a vraiment un effort considérable qui a été mis en place et ça marche, mais il faut probablement aller plus loin puisque la consommation continue d'augmenter avec la démographie. Euh, il faut trouver d'autres sources. Alors, l'Europe nous a sorti euh, il y a à peu près euh, deux ans, je crois, une, euh, une circulaire en, en réautorisant l'utilisation de ce qu'on appelle les PAT, les protéines animales transformées. Mmh. Euh, ça rappelle mmh. des histoires qu'on a tous connues et qui ont fait peur à beaucoup de consommateurs, à juste titre. Euh, je parle de la vache folle, la vache je parle folle. de l'USB, etc. Oui. Euh, là. Donc c'était les, les protéines animales qui étaient utilisées pour nourrir les fameuses vaches qui exactement, sont malades derrière. Exactement. Alors là, euh, des études ont été menées pendant de nombreuses années pour vérifier qu'il était envisageable d'utiliser non pas les ruminants, mais des produits euh, issus du porc. Et de la volaille, et pas n'importe quel produit, pas des animaux qui sont morts de maladie ou que sais-je, mais les animaux que vous a, que vous achetez euh, dans votre boucherie euh, ou dans votre grand magasin. Sur le principe, oui, c'est vrai. Il y a un intérêt nutritionnel, il y a un intérêt économique, il y a un intérêt environnemental. Sauf que, eh bien, en Europe, quelques pays d'Europe utilisent déjà les P.A.T. pour l'aquaculture. Euh, en France, eh bien, euh, les producteurs considèrent que l'image de marque que ça va donner va encore aggraver les choses. Mmh. Et donc les producteurs français ont décidé de ne pas utiliser euh, les PAT et de le faire savoir en le notant dans leur certification ou dans leur cahier des charges. Donc pour l'instant, en France, il n'y a pas d'utilisation euh, des, des PAT. Et enfin, un dernier... Euh, une dernière solution extrêmement innovante et intéressante, c'est ce qu'on appelle les systèmes multitrophiques. C'est quoi un système multitrophique? C'est considérer qu'un poisson d'aquaculture, il va entre guillemets gâcher ce qu'on lui donne. C'est-à dire que quand on lui donne un aliment qui représente 100, eh bien il va prendre 30 pour faire du muscle et il va perdre entre guillemets 70. Donc perdre 70% de ce qu'on donne, c'est totalement inacceptable. Quand ce qu'on donne est sur des environnements fragiles. Exactement, et d'autant plus qu'effectivement, ces 70, ils vont finir par s'accumuler et polluer. Mm -hmm. Donc l'idée, elle est très simple, ça consiste à dire, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas associer à la production de poissons euh, en mer, en cage, euh, d'autres productions aquatiques qui vont récupérer ces 70 On ne va pas nourrir ces, ces autres productions, puisque l'aliment il est déjà là il est gâché donc autant qu'il soit utilisé. Donc en fait on a une cage en dessous de la cage, on va mettre euh, des, des mollusques, ça peut être euh, par exemple des, des huîtres, ça peut être des, des moules, ça peut être euh, des animaux qui sont des, des, des brouteurs comme les, les oursins, euh, ça peut être le concombre de mer dans certains pays où c'est très apprécié, qui vont récupérer toute la fraction organique, c'est-à-dire ce qui n'est pas mangé, ce qui est mal digéré ou pas digéré par le poisson. Donc on va gratuitement, entre guillemets, produire mm -hmm. ces, cette diversification d'espèces. Et puis, un petit peu plus loin, on va mettre des algues. Ces algues, elles vont utiliser ce qu'on appelle la fraction minérale, c'est-à-dire ce qui est dissous dans l'eau. Elles vont extrêmement bien profiter de ces minéraux, proliférer. Et ce qu'on propose nous de, de tester, c'est de mettre une deuxième cage, un quatrième compartiment, on va dire, avec des poissons herbivores. Et ces poissons algues. herbivores vont manger les algues et forcément vont être riches en oméga 3 puisque c'est des algues. Et les Canadiens, après, bon, il a fallu le temps qu'ils s'habituent hein, et maintenant ils sont prêts à payer un peu plus cher euh, du poisson qui est certifié euh, système multitrophique parce qu'ils savent que c'est produit dans des bonnes conditions et avec un impact extrêmement limité, voire euh, zéro sur l'environnement. Donc à terme, le poisson d'élevage, ce ne sera quand même pas un poisson moins cher que le poisson sauvage. Si, je... si euh... on met en place toutes ces solutions, je dirais, raffinées, on va quand même vers un poisson plus cher, mais qui garantit un impact environnemental moindre. Oui et non. Ce que me disait le collègue canadien, qui est un petit peu à l'initiative il y a 7-8 ans de ce, ces techniques-là, c'est que finalement, dans la mesure où le producteur va produire non plus une espèce et non plus simplement du poisson, mais du poisson, du mollusque, des algues, éventuellement d'autres espèces de poissons, il va diversifier sa production. Mm -hmm. Donc il va accepter éventuellement de perdre un peu sur une partie pour gagner sur d'autres. Mm -hmm. Si vous voulez, par exemple, il va avoir un, un, il va perdre un peu sur la production du poisson noble qui est nourri avec l'aliment, mais par contre, il va produire des mollusques qui vont grossir beaucoup plus vite, des algues qui vont grossir beaucoup plus vite, euh, un poisson herbivore qui ne va rien lui coûter, enfin mmh. pas grand-chose par mmh. les infrastructures. Euh, et donc, si vous voulez, là aussi, c'est un autre mode de raisonnement, mmh. ce n'est pas raisonner combien j'ai fait de bénéfices sur ce poisson-là, c'est est-ce que l'ensemble du système me rapporte de l'argent Et la réponse est oui, oui. donc il faudra euh, voilà, euh, jouer avec euh, ces nouveaux éléments. Si on travaille en eau douce, quelque chose qui est en train d'exploser dans le monde entier, y compris en France, c'est ce qu'on appelle l'aquaponie. L'aquaponie, c'est quoi C'est une contraction entre aquaculture et hydroponie. L'hydroponie, on sait tout ce que c'est, on l'a vu dans les grands magasins qui vendent de, des plantes. C'est de la culture de plantes sans terre. Donc on a vu, on connaît les petites billes d'argile ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'est que finalement, la terre, elle va soit apporter des éléments nutritifs, mais elle va aussi permettre de, de, euh, aux racines de, de s'installer. Donc là, l'idée, c'est de donner un substrat euh, inerte, et non plus de donner de l'engrais pour faire pousser les plantes, mais de faire recirculer l'eau d'élevage des poissons, qui est donc riche en phosphore et en azote. Et cet azote et phosphore va être exactement ce dont les plantes ont besoin pour pousser. Les plantes vont récupérer ces deux composants, vont donc épurer l'eau et l'eau va retourner au poissons. Donc on associe la production de végétaux et la production de poissons. Et là aussi, on avait exposé ça au Salon de l'agriculteur il y a quelques années. C'est impressionnant comme les visiteurs, mais dans la seconde, comprenaient comment ça marche. Et nous disait mais c'est ça qu'il faut faire. Pour finir, je voudrais dire que le défi, bah, c'est non seulement de nourrir euh, le consommateur français, le consommateur européen, mais euh, le monde entier. Euh, donc c'est bien le thème de ce, cette exposition universelle de, de Milan, nourrir euh, le monde, nourrir la planète. Et donc on voit bien qu'il faut euh, s'intéresser à toutes les formes de production et pas se limiter uniquement à un poisson euh, carnivore. Euh, qui est demandée par finalement une proportion euh, euh, finalement pas si importante que ça euh, de la population mondiale. Il faut penser qu'il y a encore actuellement plus de 800 millions de personnes qui sont euh, mal nourries. Donc euh, maintenant, la balle est dans le camp des consommateurs. Tout à fait.